Madame, monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes ensemble pendant une petite heure avec une émission relativement complète puisque vous aurez à répondre à une énigme en faisant 42, 48, 16, 16. Annie Pujol viendra nous parler des parcours en ville avec les poussettes, un témoignage, un ombrologie avec Sophie Brami, un instrument de musique, vous allez voir quelque chose évidemment tout à fait étonnant. Charlie, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de présenter. Vous avez passé un bon week-end? Oh, excellent, et vous? Très bien, mais je suis quand même en train de présenter le sommaire de l'émission et je vous vois encore en train de tripoter des trucs. C'est bien, c'est bien. Arrête, je me demande si ça va pas être un peu agaçant. C'est bien, vous savez que je me lance un petit peu dans la chimie en ce moment. Vous dans la chimie? Ouais. Alors la semaine dernière c'était dans l'hypnose, la fois d'avant c'est la transmission de pensée. Ça marchait terrible ça. Et là maintenant chimie. Bah oui, mais je pense que la chimie j'ai. C'est quoi la préparation? Alors c'est un truc qui vous permet d'avoir une pêche incroyable. Ah, la patate? Ah oui, du peps quoi. Ah, pour travailler, ah, pour oui, s'amuser, oui, tout ça. Oui, oui. Vous goûtez? Ah, bah je sais pas, moi, vous êtes sans danger aucun. Ah non, non, non. Hop, hop, Luba. Comment ça va, Lulu? Ah, ça va, bon petit week-end? Bah ouais, je suis un peu. Un peu quoi? Un peu fatigué. Ouais. Oh, ça tombe bien. Il est fatigué, le pauvre pépère. Je suis fatigué. Eh bien, figurez-vous que comme notre camarade se lance dans la chimie, vous allez voir, vous voulez la patate? Ah oui. Patate bleue? Patate, ah, okay. Patate. Ça va bien, en fait. Allez, ça écoutez, bleu. Ah. Mmh, c'est bon. Hein. Ah bon? C'est bon. C'est bon? Ah bah oui. Puis alors, très bon. C'est bizarre parce que là, je me. Tu vois? Ah bon? Vous l'avez dit? Pas de brûlure? Non, je suis. Pas de rototo? Ah, non, non, c'est. Bon, non, c'est. Vous l'avez dit? C'est bien. Hein. Et Christophe? Je vais peut-être me laisser tenter par le vert. Allez. Ou par le rose. Comme vous voulez. De toute façon, c'est la patate. Oh, la patate. Garantie, garantie. Sans danger. Aucun. Elle n'a pas pris beaucoup, hein. Ah. Qu'est-ce qu'il a? C'est bon. Sans danger. C'est bon. Qu'est-ce qu'il a? Christophe. Félix. 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 Non. Non, non. Non. Ah. Oh. Générique. Madame, monsieur, bonsoir. Ça va bien? Ça va? Ça va bien? Pleine forme? Bonsoir. Ah ben c'est lundi. Bonjour. Bonsoir jeune fille. Bonsoir. Très bien, on est ensemble pendant une petite heure. J'espère que vous aussi vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes reposé tout ça. Et je vais immédiatement vous proposer l'énigme à laquelle vous allez pouvoir répondre et à laquelle, grâce à laquelle probablement et peut-être vous allez pouvoir gagner un filet. C'est lundi. C'est lundi, c'est normal. Alors attention. Deux hommes se détestent et ne se disent strictement jamais bonjour. Pourtant, un jour, ils se serrent la main. Pourquoi? 42, 48, 16, 16, bien évidemment. Et si vous n'avez pas la possibilité de nous joindre au téléphone, vous pouvez répondre par Minitel, car il y a un double filet garni aujourd'hui. Et vous pourrez donc également en remporter un grâce au Minitel. On va pour l'heure, si vous le voulez bien, accueillir l'invité du jour. Si vous voulez bien. Ah, c'est l'heure de la sieste, normalement c'est plutôt 17h hein, que 19h. Voici même messieurs Jean-Pierre Madère, le voilà. Mesdames, messieurs, attention s'il vous plaît. Jean-Pierre Madère, le voici, le voilà, accueil. Comment ça va? Très très bien. Ça fait ah, fait bien longtemps que nous sommes vus. Ben oui. Quelques années. Oui, de l'époque de... C'était encore mieux l'après-midi. C'était encore mieux l'après-midi, c'était ici, hein. Oui, exact. Vous vous souvenez? Jean-Pierre Coff aussi à l'époque. Comment? Il y avait Jean-Pierre Coff et je m'en souviens, une fois je lui avais pris des chapeaux, je l'étais mis sur la tête, il était furieux. C'est vrai, il était furieux? Oui, il avait raison. Ah, il était de mauvaise humeur? Oui, oui, puis j'étais... Vous voulez dire qu'il est susceptible? Non, non, mais j'étais pas poli, là. Ah bon, maintenant vous êtes ça va mieux, ouais. Devenu un garçon bien élevé, c'est ça que vous voilà, voulez dire? Exactement. Très bien. Vous avez grandi également depuis, hein? Ben oui, pourtant j'ai rien mis, là. Vous avez mangé de la soupe? J'ai mangé de la soupe. Voilà. Jean-Pierre Madère, vous allez rester avec nous. On va parler de votre actualité, qui est votre nouvel album d'ici quelques minutes. Et pour l'heure, nous allons, mesdames, messieurs, accueillir Patrice Carmouze, je ne sais pas où c'est ici, Patrice Carmouze et Annie Pujol. Les voilà.
Bonjour Annie. Bonjour. Ça va ? Très bien. Je vous dis stop. Je vous dirai stop. Stop. Comment ça va, Patrice ? Ça va. Bonne forme ? Jusqu'à présent, oui. Bon week-end ? Oui. Vous avez été chez le coiffeur ? Oui. J'en viens. Coupé court ? Ça a été dur. Oh, ça vous va bien. Vous connaissez Jean-Pierre ? Oui, absolument. Patrice, Jean-Pierre, Jean-Pierre, Patrice. Vous connaissez Annie ? Oui, absolument. Donc je ne fais pas la présentation. Nous allons immédiatement parler avec Annie Pujol, n'est-ce pas, Patrice ? Oui. Est-ce que je dis quand même que le non, j'aimerais que vous disiez quelle est la personne qui nous a envoyé l'énigme. Voilà. Alors, c'est Florence Charvolin. Charvolin. Florence Charvolin qui gagne un magnétoscope Samsung. Samsung, voilà. Donc vous aussi, si vous nous envoyez... Oui, pardon. Alors, on a dit que c'était par téléphone et par Minitel aussi aujourd'hui. Ah, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, hein, oui, on l'a dit, c'est ce que je le répète. Non, je l'ai dit. Oui, dit. Vous l'avez dit. Oui, oui, non. J'ai dit tout à l'heure. Vous l'avez dit mais tout à l'heure. Mais vous voulez peut-être le répéter. Non, voilà, ça y est, c'est fait. Nous allons maintenant parler avec vous, Annie, c'est bien ça ? Oui. De quoi ? Alors, d'abord, je vous avais proposé la semaine dernière des petits problèmes extrêmement faciles du niveau 6e, 5e. Non, des petits problèmes extrêmement compliqués. Disons, c'était très facile. Bon, on se souvient. École supérieure. Plus. Voilà. Et donc, il y en avait un qu'on n'avait pas fini d'élucider. Donc, je vous propose, je vous le rappelle, si oui, vous voulez. Oui, et vous allez peut-être pouvoir l'élucider avec Jean-Pierre. Voilà. Alors, je le rappelle pour les téléspectateurs. 3 citrons plus 1 pamplemousse pèse 10 kiwis. Notez, 3 citrons plus 1 pamplemousse pèse 10 kiwis. 6 kiwis plus 1 citron pèse 1 pamplemousse. Combien faut-il de kiwis pour égaler 1 pamplemousse ? Voilà. Et wow. Quand on ferme le robinet, ça fait 3 citrons. Alors vous avez noté, okay, vous qui êtes chez vous, 3 citrons... 3C plus 1P, c'est marqué sur le tableau. 3C plus 1P égale 3 10 kiwis. 3 citrons plus 1 pamplemousse égale 10 kiwis. 6 kiwis plus 1 citron égale 1 pamplemousse. Combien faut-il de kiwis pour égaler 1 pamplemousse ? On sait pas. Quelle est la marche à suivre ? Bah, il faut virer les citrons. Il faut arrêter de bouffer des fruits, surtout. Il faut arrêter de manger des pâtes. Il faut virer un citron. Oui, il faut trouver la valeur du citron. Un citron égale 1P... moins 6 kiwis. Oui, mais oui. Racine carrée de 10 kiwis par 1 pamplemousse nous donne éventuellement la masse et l'énergie du citron. Car E égale MC2, faut pas oublier. Ouais, mon amour. Mon amour. Ah bon ? E égale MC2, mon amour. Non, ça c'est autre chose. Ça. Vous me parlez comme ça. Non, en fait, vous partez dans des choses beaucoup trop compliquées. Okay, ah, ça, c'est, je sais, il faut tout additionner en fait. C'est possible. C'est-à-dire, il faut allez-y, faire... Allez-y, Jean-Pierre. Oui, c'est ça. Allez-y, proposez. C'est-à-dire qu'il faut faire 3C plus 1P plus 6K plus 1C est égal à, est égal à 10K plus 1P. C'est pas mal, mais encore plus simple. Regardez. Là, vous avez le pamplemousse est égal à 6 kiwis plus 1 citron. Ouais. Si on le remplace dans cette addition, ça fait 3 citrons plus 1 pamplemousse égale 6 kiwis. Quoi ? Plus 1 citron égale 10 kiwis. D'accord. Quoi un pamplemousse, c'est égal à 6 kiwis plus un citron. Oui, madame. Donc, si je remplace le pamplemousse là-dedans, ça fait 3 citrons plus 6 kiwis plus un citron égale 10 kiwis. OK. Ouais, exact. Ouais. Donc, ça fait... Continuez, je vous écoute, messieurs. 3 citrons plus un citron. Ça fait... 4 citrons. Ça, j'aurais pu le dire. Bravo, elle est facile. On peut la refaire, on va peut-être la refaire. 6 kiwis égale 10 kiwis. Donc... Donc 10 kiwis moins 6 kiwis égale 4 kiwis. Donc 4 citrons égale 4 citrons. 4 citrons égale 4 kiki, 4 oui. Donc 1 citron égale 1 kiwi. Un kiwi. Citron, j'avance par les chiffres et les lettres là. 1 citron égale 1 kiwi. Et pardon. Alors si on le remplace là-dedans, ça fait 7 citrons, ouais. Ça fait 6 kiwis plus 1 kiwi égale 1 pamplemousse, donc 7 citrons. 7 citrons. 7 kilos. Donc au lieu de demander je voudrais un jus de citron, je voudrais un jus de 6 kiwis plus 1 pamplemousse moins 3 citrons plus 1 kiwi. Donc ça fait 1 kiwi, 6 kiwis plus 1 kiwi. Mais on va y mettre dans la tronche le kiwi dans deux secondes. 1 pamplemousse. Donc 7 kiwis égale 1 pamplemousse. Voilà. J'ai pas tout compris, peut-être un petit cours particulier tout à l'heure. Si vous voulez. Très bien, c'est bien. Entendu. Applaudissements pour Annie Pujol, mesdames, messieurs. Alors. Est-ce qu'on se rassied ou est-ce que. Oui, en fait, on va se relever parce que je voulais vous proposer le parcours d'une combattante. Donc là, nous nous adressons à vous, mesdames, les mamans et les mères et les de famille. Nous aussi. Et les papas aussi, non ? Oui, et les papas. Évidemment, aussi. Évidemment, évidemment. Vous avez des enfants, Jean-Pierre ? Oui. Combien ? Deux. Quel âge ? 12 ans et puis... 12 ans ? Oui, et 5 ans et demi. Ouais. Vous les faites pas. Ouais. Vous les faites pas. Alors, de quoi allons-nous parler maintenant ? Car il s'agit, évidemment, nous allons parler d'un petit peu de crotte. Un petit peu, oui. Je voulais raconter l'enfer
d'une combattante, c'est-à-dire la combattante, c'est la maman ou le combattant. Ou d'un combattant. Qui va promener son enfant jusqu'au parc le plus proche dans une poussette. Et tout ce qu'il rencontre sur son passage devient un obstacle. Alors, je vous ai préparé un petit trottoir là-haut. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Veuillons la suivre. Hop, oui, allons-y. Non. Jean-Pierre, vous prenez votre micro. Vous suivez. Voilà. Patrice, vous suivez également. Allez. Alors, je vous propose de rester là. Moi, j'aime bien les montées d'escalier. Attention. Ah oh attention, vous mettez les pieds. C'est des vrais ? Oui. Non, ça ressemble, hein. Ça ressemble, oui. Ça fume pas, hein. Non, ça fume ça pas, mais ouais, il fait chaud ici. Ça fume qu'en hiver, Jean-Pierre. Il faut qu'on se serre. La crotte ne fume qu'en hiver. Voilà, mais la crotte qui fume au mois d'août, c'est qu'il faut vraiment s'inquiéter de la température du chien, hein. Voilà, donc c'est un biscuit. Alors tous les crottes de chiens, évidemment, j'adore les chiens, mais je hais les propriétaires des chiens qui laissent encore crotter leurs chiens au milieu du trottoir. Parce qu'évidemment, si on habite en bordure du bois de Boulogne ou sur les Champs-Élysées, il n'y a pas de problème. Mais quand on habite dans un quartier populaire où les trottoirs sont étroits, c'est extrêmement difficile de slalomer avec une poussette. C'est que c'est des fausses, mais ça sent. Non. Ah. Il nous aurait pas fait ça quand même. Parce que j'ai pas été que chez le coiffeur. Ah, c'est ça, ouais. Ah, oui, chez alors, les toilettes aussi. Oui, oui, vous avez été chez le coiffeur à l'heure du popo. Voilà. Ah, évidemment. Faut pas tout faire. Alors. Donc, regardez, parce qu'en plus des crottes de chien, il y a des gens qui prennent les trottoirs pour des poubelles. Non, mais attendez, là, vous n'êtes pas sur un trottoir, vous êtes sur un crottorium. Ouais. Mais dans des quartiers. Bah, mais c'est comme ça, bon, Christophe. Bah, je sais pas. Et des fois même, c'est pire. Il y a quelqu'un qui vous cherche parce que vous avez genre 42 crottes sur 3 mètres quand même. Des poubelles. Et alors, en général, quand on rencontre un fichu matelas pourri parce que des gens prennent là, vous êtes en train de rouler sur une crotte. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Voilà ce qui se passe. Et alors, ça bloque les roues. Je vous promets que c'est vraiment pas évident et qu'il y en a marre. Ah, bah, ça survire, la poussette survire sur la crotte. Parce qu'en général, on peut pas traverser vu que les voitures sont collées les unes aux autres. Les unes aux autres. Et donc, c'est extrêmement difficile. Par choc contre par choc. Plutôt que cul à cul, c'est moi. Hein, voilà, et j'avance péniblement. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous, la poussette, c'est une horreur. Voilà, donc toujours prévoir le papier, le sopalin, pour pas s'en mettre plein la moquette. Parce que je vous promets que c'est toujours. C'est-à-dire que vous prenez l'enfant en poussette sur la moquette. Non, mais je rentre chez moi avec la poussette. Voilà. Et c'est pas évident du tout. Ah, bah voilà, ça pleure, il y a plein les roues, là, il faut des chaînes. Non, mais là, il faut des chaînes. Ouais. Mais vous plaisantez, Christophe, mais essayez, regardez, c'est pas évident du tout. Bah, non, c'est pas évident. C'est pas évident. Déjà, on peut même pas faire demi-tour. Déjà, on peut pas manœuvrer. Non, mais il y a Madère aussi, il y a Madère juste en plein milieu des trucs pour manœuvrer. Allez-y. Il y a des carrefours, moi. Christophe pilote assez bien. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ah, raté, là. Vous l'avez eu. Non, je l'ai évité. Sur deux roues. Oh là. Sur deux roues. Non, non, là, je suis sur régime total. Et le bébé a intérêt à avoir l'estomac bien accroché si vous faites ça. Patrice, où ça sent la crotte? Vous pouvez faire le. Ça, le problème, c'est où ça sent la crotte ou l'enfant vomit parce que. Non, mais ça fait des jeux pour lui. Ça fait des jeux, tiens. Bon, après le goûter, tu vas voir les jeux. Alors. Patrice, essayez si vous voulez, c'est pas évident du tout. Oui, essayez, Patrice. Non, mais c'est vraiment ce qu'on vit tous les jours, je ne plaisante pas. Ah, bah vous avez marché dedans, non? Non, vous avez marché dans celle-là. Et marcher en celle-là. Attendez, et à l'envers on fait? Maintenant il sentira la crotte, mais au moins on saura pourquoi. Oh, l'envers. En plus. Ah, vous avez remarché dedans. Les pieds dedans, lui. Ah, le bébé. Ah, mais le bébé est tombé. Il est tombé, le bébé, maintenant. Il a failli tomber, là. Il faut un harnais de sécurité avec Patrice. Non, mais écoute, c'est ma poussette, en plus. Il y a un enfant dans cette poussette, hein. Ah, et les pieds, lui, il a tout. Il a les quatre roues et les deux pieds. Et c'est évidemment... Oui, mais on s'amuse aussi avec bébé, hein. Oui. Surtout vous, hein. Lui, il est content. Lui, il est vert, écossais. Et en général, c'est toujours quand on se prend les quatre roues dans la poussette qu'il n'a pas plu depuis 10 jours, parce que l'objectif, c'est de chercher une flaque pour nettoyer la roue. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours le sopalin. Très bien. Donc, c'est tout. Et d'arrêter de faire les caca aux chiens à côté. Si je peux me permettre, moi, je recommande, on va dire le mouchoir en papier plutôt. Le mouchoir en papier. On va dire le mouchoir, je le recommande plutôt aux propriétaires de chiens. Oui, si jamais ils font une grosse croque-crotte sur le trottoir, crac, ils l'enveloppent et ils le mettent dans la foufouille, et puis ils le ramènent à la maison. Voilà. Puis ils le mettent dans la poubelle. Voilà, très bien. Merci Annie Pujol. Applaudissements pour elle. Jean-Pierre, une petite réflexion. Conclusion. Non, je veux dire qu'il y avait des villes où il y avait des water pour chiens, comme à Biarritz, par exemple. À Biarritz, il y a des... À Biarritz, par exemple, il y a des petits WC pour chiens, une espèce de tapis roulant comme ça, et les chiens peuvent... Et en même temps, ils font un peu de... Enfin, ils font leur commission. Très bien. Donc, prenez exemple sur Biarritz, mesdames, messieurs. Bien, on va se retrouver immédiatement après cette publicité avec Patrice et le reste. À tout de suite. Et Jean-Pierre, évidemment. À tout de suite.
Nous voici de retour, mesdames, messieurs, au 102 de la Maison de la Radio, avec Jean-Pierre Madère, qui est à côté de moi, et que nous sommes extrêmement contents de recevoir. Avant de vous présenter la personne qui est assise, Jean-Pierre, à votre gauche, permettez-moi simplement de répéter l'énigme, car nous n'avons pas encore de réponse suffisamment, et de vous dire également qu'il y a deux possibilités pour vous de gagner un filigarni, c'est-à-dire le Minitel 3615 TF1, rubrique Coucou, c'est nous, ou alors évidemment le téléphone au 42 48 16 16, la voici, d'ailleurs vous allez pouvoir éventuellement y répondre. Oui. Deux hommes se détestent et ne se disent jamais bonjour. Pourtant, un jour, ils se serrent la main. Pourquoi ? Vous y réfléchissez, 42, 48, c'est 16 en ce qui vous concerne. Voilà. Alors, à côté de vous, Christian Vignol, Jean-Pierre. Christian Vignol, qui vient un petit peu de votre pays, puisque vous êtes monsieur chargé de mission à la Compagnie Générale des Eaux de Toulouse. Ah, d'accord. Et vous habitez Toulouse, Jean-Pierre ? Oui, absolument. Je ne me trompe pas. Non, non, c'est vrai. Comme Art Mengo, qui était là, voilà. Ici, à votre place, il n'y a pas très très longtemps. Et alors, vous êtes chargé de mission. De quelle mission s'agit-il ? Alors, la mission que je vais vous proposer ce soir, c'est une mission avec des vers roses de Toulouse. Des vers roses de Toulouse, comme oui. La ville rose. Comme la ville rose, oui. Vous voulez dire rose ? Rose. Vous avez un léger accent. Oui, pointu. Pointu. Tout à fait. Légèrement pointu. Faites-le, l'accent pointu, pour voir, Jean-Pierre. Rose. Oui, mais avec une phrase, un phrasé jaune et rose, par exemple, dedans. Jaune et rose. Ah, bien. Bien non, monsieur. Mais je me méfie. Jaune et rose. Ouais, il y a du boulot, hein. Il y a encore du boulot. Alors, de quoi, ces vers de terre, à quoi servent-ils donc ? Alors, ces vers servent à traiter les graisses qui sont extraites des eaux usées de Toulouse. Et ils sont utilisés pour traiter environ 2000 tonnes de graisse par an. Parce que les eaux sont polluées. Les eaux qui sortent des habitations sont des eaux polluées et il faut les nettoyer avant de les rejeter à la Garonne. Ah, parce que jusqu'ici, elles ne sont pas nettoyées. Elles coulent dans les égouts, elles arrivent à l'usine d'épuration et à ce niveau-là, on va les nettoyer, on va séparer ce qu'elles contiennent. Dans quel état se trouve la Garonne aujourd'hui ? La Garonne est en très bon état. Oui. Parce que l'usine de dépollution remplit parfaitement son rôle. Vous êtes sûr ? Tout à fait certain. Mais néanmoins, elle remplit parfaitement son rôle, mais néanmoins, on va y adjoindre l'aide de quelques vers de terre. Ah, tout à fait. On utilise des procédés biologiques et ces vers roses vont servir à notamment désintégrer les graisses. Très bien. Alors, comment s'appelle-t-il ? Alors, là, nous avons Roger, Robert, Marcel. Le nom scientifique est Eysinia fetida andrei. C'est-à-dire ? C'est-à-dire vers rouge. Et c'est un... C'est pas un ver de terre qu'on trouve... C'est un ver qui venait jadis de Californie. Spaghetti carbonara, ecco. Mon spaghetti. Spaghetti à la vénitienne, ça ressemble à ça. Spaghetti à la vénitienne, oui. Avec la sauce de... Alors là, je les remue un peu pour les faire sortir de... Hein ? Ils sont dans la terre, hein, c'est uniquement de la terre. On a bien compris, c'est ça. Ce sont des vers qui vont manger les graisses qu'on va leur proposer. Alors, regardez, dans de l'eau, c'est-à-dire que... Dans la terre. Non, on extrait les graisses, ça forme comme une sorte de pâte. Et cette pâte est donnée à manger aux vers. Voilà, là... On voit bien là, hein. Ouais. Ça bouge. Et qu'est-ce que deviennent les vers après ? Alors, les vers restent dans ce milieu. Mais qu'est-ce qu'ils boivent pour être rouges comme ça ? Du vin ? Ils ne boivent pas. De l'eau. Ils ne boivent oui, pas. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'on a bien compris que les gens, quand ils mangent, il y a des restes de graisse dans les assiettes et tout ça, ils font la vaisselle, tout ça va dans les égouts. Et c'est ça qui fait des choses qui sont très mauvaises. Hein. C'est ça. Et pour résorber ça... Hop, le lombric. Il y en a combien à Toulouse ? On estime à 80 millions la population de l'élevage. 80 millions, c'est pas mal, hein ? 80 millions de vers ? Tout à fait, sur 5000 m² de litière. Ça se mange ? Vous pouvez goûter. Alors, il y a une particularité, c'est-à-dire que la population, quand il n'y a plus assez à manger, hein, elle reste stable. Si on veut en faire plus, on peut. Voilà, alors, pour rajeunir la population, il suffit de prélever une partie de ces vers. Et à ce moment-là, l'équilibre biologique du système fait qu'on va avoir un accroissement rapide de la population. Tandis que si vous la laissez vieillir, et bien la régulation de la population se fait d'elle-même. Ah, très bien. Alors, on va vous poser une question Minitel. Regardez-la bien parce que vous allez avoir à y répondre. C'est une question évidemment qui concerne l'environnement. Seriez-vous prêt à mettre des lombrics dans votre poubelle ? Car, monsieur, et vous faites 36-15 Stéphane, rubrique coucou, peut-on considérer que si ces lombrics remplissent leur mission, si on les met dans une poubelle, est-ce que ça va nettoyer la poubelle avant qu'elle soit rejetée dans l'environnement ? Alors, de toute façon, le principe, c'est que ces vers consomment la matière organique. Donc, si l'on sépare les matières organiques contenues dans les ordures, eh bien, ces vers vont pouvoir effectivement gérer cette matière organique et, en quelque sorte, apporter une solution poubelle. Combien il y en a ? Ils sont tout petits, en fait. Hein ? Oui, ils sont des petits vers. Vous pouvez les couper ? Ça va faire deux morceaux de verre. Ah oui, vous pouvez les couper, oui. Non, comme les verres, d'habitude, on les coupe, ça fait deux verres.
Non. Attends, si vous les coupez deux fois, ça, oui, ça fait quatre. Oui, mais en principe, oui, mais on a pas fait de test de cette façon. On peut être abruti complet. On a le droit. Alors, ils sont à la taille adulte. Là, vous avez beaucoup de jeunes parce que c'est une période où on vient d'avoir pas mal de naissances. Oui. La taille adulte, vous en avez certains. On voit l'anneau au centre qui est très visible. Ah, ben là, je vois que des petits. Alors. Si, remuez-les, vous allez, là, vous allez pas, trouver des adultes. Et depuis il y a des adultes au milieu. Depuis que vous avez introduit les lombrics, ça sent moins mauvais, non? Disons que les odeurs des graisses ne sont plus sur l'usine, donc... Ça apporte une amélioration pour les odeurs, mais il n'y a pas que les graisses qui sont... Mais ils sont tous de la même race, parce que là, j'en vois un qui est quand même un peu plus gros que les autres, là. Voilà, mais ça, c'est un ver qui est à sa taille adulte. On dirait d'une. Oui. Alors, c'est un ver qui doit avoir 2 ans, 2 ans et demi. Et donc, vous les nourrissez. On nourrit les vers, absolument. Mais par où? Parce que vous voyez la tête, là. Par où ils veulent? La tête, elle est à l'opposé de la queue, comme d'habitude. Bien, monsieur, bien. Je rappelle que monsieur est chargé de mission à la Compagnie Générale des Eaux de Toulouse. Et vous pouvez le voir, la queue en principe est légèrement plus fine que la tête. Qu'est-ce qui se dresse là? C'est la tête qui se dresse ou... Ah non, là c'est la queue. Le truc qui se dresse là, c'est la queue. Oui. Là, est-ce que vous voyez? Oui. Vous voyez le côté foncé, c'est la queue. Ah très bien, j'arrive pas du tout à me caler avec le... Oh, il y a... ça bouge beaucoup, ils sont très vivants là. Il y a une recette pour préparer les déchets, non? Pour que ça soit meilleur. Il y a une recette, effectivement, ça a nécessité une mise au point. Et en gros, le menu que l'on donne à ces vers est composé à 50% de graisse et 50% de boue d'épuration. Donc ce sont tout ça des produits issus de la pollution qui servent à nourrir cet élevage. Où est la station d'épuration? Elle est vers le Corbillon? La station, elle est sur la plage. Elle est côté nord de Toulouse. D'accord. Vous habitez vous côté? Mais j'ai l'impression côté sud, moi apparemment. Mais où c'est le côté nord? Côté Ginestou. Ah d'accord, okay. Côté Ginestou. À l'opposé de là où vous habitez. Voilà, je me rencarde. Alors, est-ce que ces vers-là sont bons pour la pêche? Ils sont excellents, notamment pour la pêche à la truite. Bah oui, surtout qu'ils sont nourris. Ils sont bien gras. Ils mangent bien. Très bien. Est-ce qu'on peut dire encore un petit mot, Patrice? J'avais dit 2 ans et demi, l'adulte, ça vit jusqu'à quel âge à peu près? On compte 3-4 ans, la vie normale d'un ver. Et alors, quand il est mort, il devient quoi? Un déchet? Il rentre dans le compost. Ah oui, on le mange après. Hop. Il est mangé par ses camarades? Ah oui, c'est une matière organique et il disparaît de la même façon que les graisses. Bon, là, je vois un bout jaune, c'est un œil ou un œuf? Un œil? Vous voyez le petit bout jaune là? Oui, ben vous avez des micro-organismes et des petits organismes qui sont associés. C'est un bout de poussin. C'est un bout de poussin. Ouais. Il y a sûrement des œufs aussi, mais ils sont difficiles à voir. Très bien. Est-ce qu'il y a, dernière question, est-ce qu'il y a en France un autre élevage que le vôtre des mêmes vers? Non, de cette taille-là, il existe de petits élevages de vers et qui ont été mis en place il y a 5-6 ans, mais disons qu'à l'heure actuelle, on développe plutôt d'autres procédés. Très bien. Est-ce que c'est l'avenir de la propreté de l'environnement? Est-ce qu'ils reposent sur leurs épaules? Enfin... Disons que les vers sont un principe naturel qui existe dans nos forêts et pour dégrader de la matière organique, ça reste une solution. Est-ce que vous conseillez donc aux personnes est-ce que vous seriez prêt à en fournir aux populations pour les mettre directement dans les déchets? Ah, mais je crois qu'il y a des personnes qui naturellement consomment leur matière organique propre dans leur jardin et utilisent des vers. Très bien. On va regarder la réponse Minitel car on vous a posé une question il y a quelques minutes. Seriez-vous prêt à mettre des lombrics dans votre poubelle? Oui. Ah non, presque la moitié quand même. 50, hein. Et comme quoi, les gens n'ont pas encore probablement tout à fait pris conscience de l'utilité de ces bêtes-là. Il y a une éducation à faire sûrement. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre animal comme celui-ci qui est tout aussi utile? Oui, le chameau, mais c'est plus dur à mettre dans la poubelle. Bah, de toute façon, c'est le même principe que celui qui est utilisé en épuration avec l'utilisation des bactéries pour la lutte contre la pollution. Très bien. Monsieur Vignol, je vous remercie de votre témoignage et bravo pour votre mission. Merci à vous. Un petit appel à témoins que je me propose de vous fournir immédiatement. Si vous avez des camarades en campagne, qui habitent la campagne et qui ont des drôles d'histoires dans leur village, n'hésitez pas à leur dire de nous téléphoner. Et si vous aussi, votre village a une particularité bien précise, s'il s'y passe quelque chose d'extraordinaire, si un différent anime la vie de la commune ou si vous-même vous êtes confronté à un voisin peu conciliant, n'hésitez pas à nous téléphoner au 42 48 26 26. Je répète, 42 48 26 26 et on viendra faire un reportage chez vous pour expliquer un petit peu aux Français qui nous regardent ce qui peut se passer à côté de votre maison. Patrice, nous allons maintenant avec Jean-Pierre Madère parler de Jaer. Jaer, c'est le titre de votre dernier album, ouais. Que voilà. Ouais. Le voilà. Il y a un extrait de cet album que voilà également, ouais. Qui lui s'appelle Ici ou ailleurs. Ouais. Et je voudrais que vous nous parliez du thème principal de cet album. Vous avez travaillé avec des camarades, on a parlé d'Art Mango tout à l'heure. Il y a beaucoup de copains. C'est un album un peu du plaisir, comme ça, un peu en studio. Il y a beaucoup de copains qui sont passés. Est-ce qu'en général, pour la qualité d'un album, il ne vaut mieux-t-il pas qu'il soit un album du plaisir? Si, tout le temps. Ouais. Mais souvent, c'est vrai qu'on a tendance un peu à se perdre. Et c'est vrai que là, bon, j'ai eu le temps de vraiment...
faire ce que j'avais envie avec dans le studio dans lequel je me trouvais bien. Vous êtes compositeur. Voilà, et bon, j'ai travaillé les chansons avec un copain à moi qui s'appelle René Valère, puis il y a eu des textes aussi d'autres personnes, dont Armengo qui est venu m'offrir une chanson, il y a eu Véronique Rivière qui est venue sur un autre titre. J'ai repris aussi une chanson de Marguerite Duras que chantait Jeanne Moreau qui s'appelle India Song. Ouais. Et bon, il y a eu plein de copains qui vivent en Espagne, qui sont venus, même des copains anglais. Enfin, quels sont les thèmes principaux? Il y a l'amour, évidemment. Bah, il y a communicabilité entre ouais, les gens. Mais surtout l'amour, parce que c'est vrai que les chansons, ça paraît comme ça, on peut partir dans différents sujets. On se rend compte qu'en fin de compte, le sujet inépuisable, c'est quand même les femmes, enfin surtout l'amour. Quoi. Ouais. Oui, c'est pas que les femmes, c'est l'amour. C'est pas que les femmes, c'est l'amour en général. Ouais. Vous vivez à Toulouse. Est-ce que vous voyez régulièrement des gens comme Artmengo avec qui vous travaillez, oui, ou est-ce que ce sont des relations de travail? Non, Michel, c'est un copain, surtout qu'ensemble, on est en train de produire un album pour Out et Lumper. Mm-hmm. Donc, on finira cet été, je pense. Vous êtes producteur de Out et Lumper? Oui, avec lui. Enfin, ouais. On travaille ensemble. Comment s'est passée la rencontre? Bah, Outé, moi, je la connaissais, je l'avais vu déjà plusieurs fois sur scène. Puis on était partis. Outé? Oui. Outé. Je suis là. Voilà. Et on était partis sur l'idée peut-être de faire une chanson comme ça, de mon dernier album. Puis j'ai pensé que peut-être on pouvait faire un truc un peu plus sérieux, un peu plus complet. Et j'ai demandé à Michel d'écrire les chansons pour donner un vrai univers un peu plus large. C'est vous qui êtes allé à sa rencontre? Oui. Vous aviez envie donc? Oui, j'avais envie. Elle s'est produite récemment sur scène? Oui. Toute seule? Toute seule, comme elle fait depuis des années. Elle chante en Kurzweil un peu partout dans le monde. Mm-hmm. Mais là, c'est un matériel complètement différent. C'est de la musique, comme elle dit, c'est un disque pour ses amis français. Bon, d'accord, voilà. Très bien. Vous allez bien écouter les questions qui vous sont destinées. Allons-y, bonsoir. Première question pour Jean-Pierre Madère. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Votre prénom? Sophie. Bonsoir Sophie, d'où nous appelez-vous? De Bonneuil-sur-Marne. Dans la Marne? Ouais, non, dans le Val-de-Marne. Ah, pas de chance. Ouais, pas de chance. Quel âge avez-vous? 15 ans et demi. 15 ans et demi. Vous êtes en quelle classe? 3e. Ouais. Oui. Pas grave. Enfin, faudrait pas continuer. Jean-Pierre Madère vous écoute, 15 ans et demi, Sophie. Préférez-vous écrire ou chanter? Bon ben, sincèrement, moi, je pense que les deux sont complémentaires, mais c'est vrai qu'écrire, c'est toujours une discipline un peu comme ça, de solitaire. Moi, je préfère écrire, fonctionnellement. J'aimerais bien, bon, plus tard, peut-être écrire ou faire... Enfin, c'est complémentaire, mais il y a des chanteurs qui n'écrivent pas. Hein. Qui n'écrivent pas, mais pour moi, je ne pense pas que je serais venu à la chanson si je n'avais pas écrit un jour, si je ne m'étais pas mis devant un petit clavier dans ma chambre avec du petit matériel que j'avais acheté, en train d'essayer de capter un peu l'ambiance d'une époque, une sorte de polaroid comme ça. Je crois que je ne serais jamais venu à faire des petites histoires si je n'avais pas eu la musique. Ça a été un moyen pour moi aussi de m'adresser, de sortir un peu de ma coquille. De m'épanouir. Je trouve très épanoui. Oui, je vois. Et c'est vrai que la chanson, c'est un truc qui aide à ça, quoi, à avoir une qualité de vie. Et c'est vrai qu'écrire, c'est quand même un plus, quoi. Voilà, ça vous va, Sophie? Très bien. Vous écrivez vous-même des chansons? Non. Eh ben, voilà, il faut s'y mettre. Vous chantez? Un peu. Ah, par exemple? Madonna, je chante Madonna. Moi, j'aimerais bien. Moi, pardonnez-moi, mais nous avons Sophie en ligne qui nous appelle du Val-de-Marne. Ah non. Si. Non. Comme vous m'appelez pas du Val-de-Marne. Si. Eh ben, voyez. Alors, et j'aimerais bien entendre quelques paroles, Sophie, de Madonna. Sophie, je vous écoute. Non. Sophie, le public est avec vous. Ouais. Allons-y. Quelle chanson? Sophie. Oui, quelle chanson? Quel titre chantez-vous? Comme vous voulez. Like a Virgin. Like a Virgin. Oh non. Allez-y. Je la connais pas bien, en fait. Bah, alors, laquelle connaissez-vous bien, Sophie, rapidement? Bah, un peu tout, quoi, mais enfin... Bah, Like a Virgin. Oh là là. Allez. Like a Virgin. Hey! Touch for the very first time. Like a Virgin. Pas mal. Bien. Ouais, c'est tout, c'est bon. Ah bah non. Bah, c'est bien. Bon, bravo. Applaudissements pour Sophie, mesdames, messieurs. Qui a chanté ce soir, probablement pour la première fois, devant des millions de téléspectateurs sur TF1 et en direct. Merci Sophie, bye bye. Merci, au revoir. Au revoir, on va prendre une deuxième question pour Jean-Pierre Madère. Allons-y, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre prénom? Voilà, c'est Stéphane et François, on appelle de Saint-Maur dans le Val-de-Marne. Des frangins? Un copain, ouais. Des copains? Des copains. Très bien, nous avons donc un couple de garçons qui nous appellent, François et Stéphane. C'est cela, oui. Bon, mais, un couple d'amis. Posez votre question, Jean-Pierre vous écoute. Voilà, alors c'est une question très très importante. Je suis vraiment content que vous puissiez y répondre ce soir, parce qu'elle me tient vraiment à cœur. Alors voici ma question. Aimeriez-vous enregistrer un album avec le groupe Psychedelic & Co? Parce que... Si vous voulez venir un sacré soirée, il n'y a pas de problème, formidable. Ah ouais. Ah, on tombe sur des super imitateurs, hein, parfois, hein, en direct. Est-ce que vous aimeriez jouer avec Psychedelic & Co? On pourrait évidemment, peut-être dire... Non, ouais, Psychedelic & Co, en fait, c'est un copain à moi qui s'appelle Gérald qui a monté ça. Et c'est vrai que souvent, à Toulouse, moi au départ, j'étais bassiste.
quand j'étais étudiant en informatique. Et en fait, pendant un moment, j'ai vécu de donner des cours de basse. J'étais avant tout joueur de basse. Et souvent, comme ça, c'est vrai qu'il y a des tas de groupes qui jouent comme ça à Toulouse. Et quand Psychédélique & Co joue, c'est vrai que j'aime bien amener la basse dans la voiture. Et au bout d'un moment, je craque, je me branche sur un ampli. Je joue avec eux des vieux standards des années 70. Voilà. Donc vous rejoignez avec plaisir. Évidemment. Avec eux. Voilà. Parce que souvent, ça se finit après. En beuverie intense. Je viendrai peut-être ce soir. Hein. Je ne joue pas de basse, mais ça ne fait rien. Non. Je boirai un coup avec vous. Une dernière question maintenant. Au revoir, jeune homme. Merci beaucoup. Une dernière question pour Jean-Pierre Nader. Allons-y. Bonsoir. Votre prénom ? Bonsoir, Charlotte. Bonsoir, Charlotte. Bonsoir, Charlotte. De Sucy-en-Brie. Dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne. Ce soir, on va faire un élevage de camarades du Val-de-Marne. Nous vous écoutons, Charlotte. Quel âge avez-vous ? 20 ans. Qu'est-ce que vous faites, Charlotte ? Je suis en terminale D. Je vais vous dire, si c'est pas pour cette année, faut peut-être passer à autre chose, hein. Mais on fait ce qu'on peut, c'est pas toujours facile quand l'éducation nationale nous met des bâtons dans les roues. C'est exact. Mais 20 ans, vous devez être quand même pas la plus jeune de la classe. Je suis pas la plus vieille non plus. Très bien, Charlotte. Il y en a une qui a 39 ans et qui passe son bac avec Charlotte. Charlotte, nous vous écoutons avec beaucoup d'amitié. Jean-Pierre vous écoute surtout. Oui. Quelle tenue vestimentaire vous irrite chez une femme ? Vous irrite ? Oui, pas vous irrite, vous irrite. Bon, ça, c'est difficile à dire, parce qu'on est toujours indulgent pour une femme, quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. Alors, quelle tenue vous excite, alors ? Ah, voilà. Moi, j'aime bien le tailleur. J'aime bien les femmes qui ont, comme ça, un côté un peu tailleur. J'aime beaucoup le tailleur pour une femme. Tailleur beige avec un pull noir. Côté dessous, fantasme. Ouais, tailleur un peu beige clair avec un truc noir en dessous. Ouais, un truc noir en dessous. Très bien, je vais vous présenter Sophie Bramy d'ici quelques secondes. Non, mais je crois qu'une femme... Non, mais je crois qu'il n'y a pas de tenue vraiment... qui soit déplorable chez une femme. Qu'est-ce qui vous irrite, vous, mademoiselle Charlotte, chez une femme qui a quelque chose qui vous irrite non plus ? Les talons plutôt hauts. Je suis pas loin d'être d'accord. Échasse. Comme, voilà. Ah, ça c'est quand on sort avec une landaise. Ou les tenues, rue Saint-Denis, hein. Ah, d'accord. Non, moi, je vois pas. Non, moi non plus. Non ? Que c'est une tenue Saint-Denis ? Ma soeur habite au Saint-Denis, je ne vois pas. vous mesurez combien, Charlotte ? 1m77. Je comprends que vous n'aimez pas les talons. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Et vous avez bien raison. Restez en sandales. On vous embrasse, Charlotte. Je vous remercie. Bisous. Au revoir, bisous. Nous allons maintenant parler, Jean-Pierre, avec quelqu'un qui porte quelque chose que vous aimez bien, c'est-à-dire un tailleur bêchelet avec un fond noir. Bonsoir, Sophie Bramy. Bonsoir. Et nous bonsoir. Allons parler une fois de plus de nombrologie, car Sophie, régulièrement dans cette émission, est-ce que vous savez ce qu'est la nombrologie, Jean-Pierre ? C'est l'étude un peu du comportement par rapport à des numéros ou des chiffres, non ? Pas vraiment. Pas vraiment, d'accord. Mais un petit peu quand même. Un petit peu, parce que ça, vous parlez de numérologie. La numérologie, c'est à partir des chiffres de votre naissance. D'accord. Voilà. Nombrologie, il s'agit de répondre à une question, savoir si ça va être bien, ça va être moins bien ou si ça va être carrément une catastrophe, en fonction d'un nombre. Alors vous allez, Jean-Pierre, réfléchir à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, qu'on ne veut pas savoir, c'est privé. Oui. Et vous êtes... sauf si vous voulez nous en faire part. Non, absolument pas. Et vous y pensez très fort. Oui. Et vous, avec un nombre fait de minimum 3 chiffres ensemble, c'est-à-dire minimum centaine, quelque chose, vous donnez le chiffre à Sophie. 126. Pas mal. Patrice commence à faire des diagnostics. Alors Sophie Bramy, 126. C'est quelque 120... chose auquel vous tenez beaucoup, hein ? Oui, je crois. Oui, d'accord. Oui, c'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup. Mais pour l'instant, vous attendez. Ah, comme d'habitude. On sait que vous attendez dans ce nombre-là. Vous attendez, c'est quelque chose qui vous plaît. Mm-hmm. Je sais que ça attrait quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Oui. Ça attrait aussi à une... Si ça lui plaît, ça lui tient à cœur. Hein. Oui, pardon. Mm-hmm. Pardon. Mais ça vous oblige aussi à fonctionner un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'il faut marcher à quatre pattes. Et attaché au radiateur. Je voudrais avoir un autre nombre pour la même question. Pour la même question. Oui. Vous y pensez, vous me redonnez un nombre. Et la même vision, la même image. Hein. Hmm, le même thème, la même image. Ou si ça raconte la même chose, ou si ça commence à évoluer. 73. Ah non, en centaines. En centaines. Minimum, vous pouvez dire 12 000. D'accord. C'est marrant, je ne vois pas des grands nombres. Je suis assez... 272. 7 et 2, 9. 9 et 2, 11. Ça progresse. C'est quelque chose qui va progresser. Vous avez bien fait la deuxième fois. Ouais. Non, c'est pour ça. Le premier, vous attendez. Le deuxième me raconte quand même que ça va progresser.
Ça a progressé. Mais ça n'a pas encore progressé, ça va progresser. Ouais. Est-ce que c'est possible, ouais. Est-ce que c'est logique dans ce qu'elle dit, oui, parce qu'il y a une attente et qu'il y a éventuellement un progrès, est-ce que ça te colle avec ce à quoi vous pensez? Oui, ça peut, oui, oui, non, c'est bien. Oui, parce que tout ne vous satisfait pas dans cette question-là pour l'instant. D'accord. C'est pour ça que ça doit progresser. Bon, mais je vais réfléchir alors. Hein. Voilà. Puis vous êtes gentil, vous nous tenez au courant. J'ai le trouble, j'ai le doute. Vous nous rappelez, vous nous tenez au courant. Très bien, nous allons maintenant prendre vos questions pour Sophie Barnier avec évidemment des chiffres à l'appui, mais surtout à la fin pour l'instant, le prénom. Bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Bernadette. Bonsoir Bernadette. Bonsoir Sophie. Bonsoir Patrice. Bonsoir Jean-Pierre. Bernadette, quel âge avez-vous ? 31 ans. 31 ans, d'où nous appelez-vous ? Bernadette. De Pompadour-Corrèze. De Pompadour-Corrèze, un très joli village, très jolie ville, très joli pays. Merci. Un bel endroit. On vous écoute. Mais il y a Pompadour, vous connaissez où ? Les chevaux. Les chevaux, ouais. Ouais. Les grottes. Ah non, je confonds avec Rocamadour. Rocamadour. C'est l'art, Pompadour. Alors Bernadette, posez votre question. Enfin, dites-nous. Je suis née le 16-7-61. Le 16-7 61. 16 ouais. juillet, deux jours après le feu d'artifice, dis donc. Cancer. Oui. Et je voudrais savoir si je vais rencontrer l'homme de ma vie cette année. Ah, c'est l'avez-vous aperçu? Non, pas encore. Ah ben non, mais c'est important. Oui, oui. Elle pourrait l'avoir vu, oui. Mais sans approche. Mais, ouais. Alors, il nous faut un nombre, toujours. Il vous faut un nombre, de trois chiffres minimum, Bernadette. 280. 280. Pas terrible, t'as 280. Si. Hein. Si, si, c'est pas mal, Christophe, si, si. Si, oui. Je plaisantais. Non, non, c'est bien. Mais allez-y, allez-y, allez-y. Il y a un changement pour Bernadette. Il y a un changement, pour l'instant, c'est pas encore... Pour l'instant, vous êtes seule. Il n'est pas là. Oui. Voilà. Il n'est pas là, mais il y a un changement dans sa vie. Donnez-moi un autre, parce que c'est un petit chiffre, là. 340. 340. 340. Pareil. Rapidement. Pareil. Donnez-en un autre. 180. Ah, c'est des petites centaines, hein, Bernadette. Oui, oui, toujours des petites centaines, oui, avec un zéro au bout. Mais ça montre le petit zéro qu'il y a quelque chose à mettre en place. D'accord. On sait qu'elle n'a pas encore rencontré quelqu'un et qu'elle a quelque chose à faire pour rencontrer quelqu'un. C'est difficile de penser en milliers, je pense, non ? Ah, je sais pas. Moi, j'ai jamais du mal fait... à... Non, mais là, pour l'instant... Ça dépend si c'est en dollars. Oui. Il n'y a aucun souci pour Bernadette. Vraiment. Aucun souci ? Ah, aucun. Ah, mais attendez, aucun. Bernadette demande quelqu'un. Si c'est pour cette année. Il reste... Oui. Mais c'est pour un an, là, nombreux. Le fait qu'il y ait un zéro, ça peut retarder un petit peu. C'est, on peut dater à peu près. Des vacances, un touriste? Peut-être. Un cavalier qui surgit de la nuit à Pompadour? Hein? Un petit club méditerranéen. Et Bernadette, si vous rencontrez Zorro, vous êtes gentil, vous nous appelez, hein? Oui, oui, oui. Bon, Bernadette, en tout cas, gardez espoir, c'est pour cette année. Bien sûr. Mais ouvrez bien les yeux parce que c'est une rencontre qui va être fortuite, donc hasardeuse. Ah oui? Bien sûr. Oui. Voilà. Bernadette, gardez espoir. D'accord. Au revoir, Bernadette. Bisous. Oui, on va, vous Bernadette. Allez rester avec nous, Sophie. On va envoyer une page de pub et on se retrouve d'ici quelques secondes avec tout de suite le reste, Jean-Pierre et tout ça. A tout de suite, merci beaucoup. Voilà, nous voilà de retour, mesdames, messieurs, sur le 102 de la Maison de la Radio. Jean-Pierre Madère est avec moi, Sophie Brami est toujours avec nous, Patrice également. Et on prend une dernière et rapide question pour Sophie Brami, car Patrice a énormément de choses à nous montrer tout de suite. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Thomas. Bonsoir, votre prénom. Thomas. Ah, Thomas, excusez-moi, d'où nous appelez-vous? J'appelle de Granville, dans la Manche. Granville, dans la Manche. Oui, Thomas, quel âge avez-vous? J'ai 16 ans. 16 ans, vous êtes en quelle classe? Première. Bien, Thomas. Oui, merci. C'est pas pareil que notre camarade de tout à l'heure. Eh oui. Thomas, posez votre question. Alors ma question, voilà, je voudrais savoir si c'est un bon choix pour moi d'envisager une école de production après mon bac. Une école de production? Oui, audiovisuelle. Audiovisuelle, d'accord. On apprend des trucs à l'école audiovisuelle, oui. Oui. Sûrement. Voilà, oui. Il faut penser à votre question, alors Thomas. C'est-à-dire qu'il faut faire une école d'abord et puis coucher après, quoi. Ouais. C'est ça. Je ne dirais pas dans le nombre. C'est l'enchaînement logique. Ça se voit pas dans les noms. Un nombre, Thomas. Alors, 7346. 7346? Oui. Pas c'est mal. Bien ça. 10, 13, 20, le total, ça nous donne un petit 20. Bon, alors Thomas, moi je trouve que c'est très bien pour vous parce que ça élargit son horizon, déjà. On peut dire que vous ferez même d'autres choses à partir de là. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par ça et après ça élargit ses horizons. Ça veut dire fait d'autres choses. Si vous vous posez la question, meilleur. C'est pourquoi? C'est parce que financièrement c'est pas facile? Non, c'est pas ça, mais c'est parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Bon, faut savoir que bon, je fais partie d'un petit groupe de musique. Mmh. Et donc, je suis assez intéressé par la production. Bassiste? Pardon? Bassiste? Non, je me contente de produire un petit peu, d'écrire et de chanter de temps en temps. Et puis, de temps en temps, quand j'ai le temps, je fais un peu de briques, puis des petits murets. Ouais. Non, voilà. Ah, c'est bien alors. Tout à fait. Bon, ben, Thomas, faut y aller. C'est la bonne voie. Et puis, il changera au fur et à mesure. Je crois qu'il va progresser. De toute façon, Thomas, faut pas se poser trop de questions. Déjà, quand on trouve un truc qui plaît. Il faut agir. Je crois que c'est quelque chose de vocation. On a trois chiffres de vocation. Bah, donc, on sent que c'est déjà un artiste. Quelque chose d'important. Vous avez l'impression d'être déjà un artiste, Thomas? Je sais pas.
Probablement. Ah, ouais. Probablement. Il y a des chances. Oui. Ouais. Bon, donc c'est positif, Thomas. Allez-y, foncez. Foncez. Et puis dans 3 ans, 4 ans, si vous êtes dans la merde, débrouillez-vous. Mais c'est ce que je ferai. Oui, on vous fait nos amitiés en tout cas, bon courage. Pardon Christophe, ouais. Est-ce que je peux vous énerver un tout petit peu en demandant un t-shirt s'il vous plaît? Il n'y a aucun souci. Merci. Aucun souci. Parce que s'il est énervé. Ouais. Salut Thomas. On va parler de musique maintenant, Patrice. Oui, là, ça va concerner Jean-Pierre, oui, Jean-Pierre, évidemment. Jean-Pierre, il aime bien les instruments. Alors, on en a deux comme ça qui sont un peu originaux. Un, on va y aller voir. Hein. Ah, on y va tous? Oui, oui. On y va tous. Au revoir. Allez, Sophie, à bientôt. Quelques applaudissements pour Sophie, bonjour, monsieur. Ah, vous connaissez naturellement, mais je crois que vous aimez bien ça, hein, les orgues de Barbarie. Bah oui, c'est bien. Alors, celui-là, c'est un lignophone, non, ça ? C'est un orgue de Barbarie qui a été construit par Christian Bigot, qui est artisan musicien à Saint-Étienne de Rézorgue dans l'Ain. Et alors, vous voulez qu'on y aille ? On essaye de... Vous voulez le tourner ? Ouais, moi, bah, je veux bien un petit coup avant Jean-Pierre. Allez-y. On peut chanter avec, hein. Dans ce sens-là ? Non, dans l'autre. Ah non, dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là. Marche bien. Pas mal, hein ? Un peu plus vite. Plus vite. Vous connaissez ça? C'est Toulouse aussi. Quand le jazz est là. Ah, pas mal. Ah, exact. Java s'en va, Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans l'eau. Gaz. Entre le jazz et la Java. Allez, on y va, attention. Bravo, formidable, voilà. Bel instrument en tout cas. Question résort. Jean-Pierre, peut-être dans le ton. Ça sera plus dans le ton. Plus dans le ton. C'est pas pour moi, c'est du pareil au même. Ah, joli. Ah, c'est un métier, hein. C'est un boulot. Il a été construit récemment par Christian Bigot, qui habite dans l'Ain. Et c'est quelque chose, bon, on peut se le procurer, ça vaut dans les 50 000 francs. Ouais. Ça, c'est un truc français. Ça vaut, combien ça vaut? Dans les 50 000 francs, à peu près. Ah, quand même. Quand même. Ah, oui, c'est beau. C'est beau, c'est un bel objet. On peut jouer 27 notes, on peut jouer, évidemment, selon les partitions, ce qu'on veut. Ça, c'est français. C'est un piano. C'est un piano. On n'avait pas vu que c'était un piano. Ouais. Alors, attendez, messieurs, nous allons probablement avoir droit à un concert live. Non, non. C'est une firme qui s'appelle Piano Center qui fait ça. Ouais. Et bon, donc vous avez un piano normal. D'accord. Après. Ah oui, mais elle est timide, il s'arrête tout de suite. Alors, évidemment. Alors, après, là, j'ai une petite manette. Je la tire. Une petite tirette. Et là. Oui. Parce que si c'est une manette, vous la manez. Voilà. C'est une tirette. Là, j'appuie là. Tac, tac. Et j'ai un autre son de piano. En principe, hein. Jean-Pierre, vous pouvez y aller. Oui, non, on peut faire ce qu'on veut, mais je veux dire, là, c'est un son de piano électronique. Vas-y. Que je viens là-bas. On ne sent pas ? Vas-y, vas-y. Allez, c'est bon. Non, parce qu'il n'arrive pas à coordonner ses mouvements avec la kiné, mais là... Alors, maintenant, on va voir... Vous connaissez les vieux orgamants, allez-y, allez-y. Ah oui, on dirait un vieil orgamant. Pourtant, quand je regarde l'intérieur du piano, c'est un piano normal, hein. Piano normal. Ah d'accord, c'est un vieil orgamant. Vieil orgamant. Ah, pas mal. Et on peut avoir quoi d'autre comme son? Alors, il y a clavecin, il y a... Violon, j'appuie sur violon? Violon, oui. Tac, j'ai appuyé, hein. Ah non, on l'a pas changé, il fallait appuyer plus bas. Ah. Un peu contre le pied du piano en bas. Ah, pas mal, vas-y, on est. Bien. Bien. Vas-y, western, j'ai appuyé western. Vas-y. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, western, c'est bien. Ouais, bah encore, vas-y, vas-y. Hey. Bravo, applaudissements même, messieurs, pour Patrice Garmoz. Simplement, c'était ça. C'est un système qui coûte 20 000 francs. Ça coûte 20 000 francs.
En gros, mais ça vous permet d'avoir un vrai piano chez vous et un peu un synthétiseur, quoi. Formidable. Et en plus, on peut mettre un casque, on ne dérange pas les voisins. Donc c'est piano normal, et quand on veut faire un peu du plus moderne... Jean-Pierre, non, petit truc? Non, mais je sais pas bien jouer. Bon, et clavecin, alors plus... Clavecin, ouais. Hop, tiens, je... Allez-y. Ah oui. Ouais. Ouais, clavecin, hein. Bien. Ouais, clavecin. Bravo. Piano centre. Tu veux chanter quelque chose, un petit truc? Non, je sais pas. Moi, bien, j'aimerais bien que Jean-Pierre chante quelque chose et que vous l'accompagnassiez. Alors, vas-y. Mais quoi? Je sais pas. Ce que tu veux. Alors quoi, par exemple, piano 1, piano 2, western, voilà. Violon, cœur, cœur. Cœur. Alors cœur, ça fait... Cœur, ça fait piano. Là, j'ai remis peut-être le... Ah, pas mal, ça. Vas-y. Ah oui. Oui, quoi? Mais quoi? Je sais pas, vas-y. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'on peut chanter? Je ne sais pas. Qu'est-ce que lui peut chanter? Qu'est-ce qu'il peut chanter? Tout. Qu'est-ce qu'il peut chanter? Vas-y, chantez un classique, jouez un classique. Hey. Non, ça, il sait pas. Un truc. Un truc que tout le monde comprend. Que tout le monde comprend. Il y a de la joie, non? Il y a de la joie. Ça va? Il y a de la joie, il y a du printemps sur les tonnelles, il y a de la joie, il y a du printemps les demoiselles, il y a de leur soir, bonjour, il y a de la joie. Bien, Patrice, bien. C'est vachement dur de jouer avec Patrice parce qu'il a pas contre-temps. Applaudissements pour Jean-Pierre Madère, tout ça c'est pas facile. Hein. Le jeu. Allez, autre chose, allons-y. Oui. La réponse au jeu. Réponse au jeu maintenant? Oui. Alors réponse au jeu, on va prendre les premières propositions, Jean-Pierre, asseyez-vous. Première proposition à l'énigme pendant que Patrice prépare ses objets. Première proposition, bonsoir, votre prénom. Je rappelle que l'énigme est la suivante. Deux hommes se détestent, ne se disent jamais bonjour. Pourtant, un jour, ils se serrent la main. Pourquoi? Prénom. Oui, Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc, d'où nous appelez-vous? Oui, j'appelle de Colombes. De Colombes. Dans le 92. Bien, Jean-Luc, proposition. Donc, je suppose que la première personne a un accident du travail, donc perd sa main, a une main coupée. Donc, il a affaire fatalement à un chirurgien qui peut être son voisin, donc il lui regreffe sa main, et par la force des choses, au niveau de sa rééducation, il est obligé de lui serrer la main. Vous devriez arrêter le vin rouge. Ouais, ouais. Ou les champignons, hein. Ouais. Au choix. Ou alors, on ne sait pas. Hein. Non, Jean-Luc, c'est super, vous êtes romantique et vous devriez écrire de la poésie parce que vous partez loin, mais ce n'est pas du tout ça. Bon, bah tant pis. Salut Jean-Luc, merci mille fois. Merci d'avoir appelé et bonjour comment on dit, les Colombins? Aux Colombins, je ne sais pas, mais peut-être aux Colombos. Aux Colombos. Non, on dit pas Colombos. Non, je ne sais pas. Salut. Salut Jean-Luc. On va prendre une autre proposition, allons-y, bonsoir, votre prénom. Allô, oui, allez. Bonsoir, c'est Patrice. Bonsoir Patrice. Dans le 93, Saint-Denis. Saint-Denis dans le 93, Patrice, quel âge avez-vous? 23 ans. 23 ans, vous avez un métier? Je suis étudiant. En? En russe. En russe? Voilà. Il y a du débouché. Oui. Bonjour Divi. Plus particulièrement en littérature. Timiliou Blabia. Ça va faire la chaud. Pouvez-vous nous dire une petite phrase de russe? C'est magnifique le russe. Gagné. C'est la réponse. C'est la réponse. Excellent. Vous avez... Non, alors on vous écoute. On écoute votre proposition. D'abord en russe et après en français. Voilà. Alors je pense que... D'abord en russe. Plutôt d'abord en français. Non. D'abord en russe. Non, mais vous comprendrez Jean-Pierre, bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, en russe. Ouais. En russe. Mais ouais. Я не знаю, что говорить. Pas loin. Pas loin. C'est bien pas pensé. Loin, mais je vais quand même l'écouter en français pour être sûr. Oui. Alors, je pense que ces deux personnes sont dans leur vie professionnelle deux musiciens, dont l'un chef d'orchestre et l'autre premier violon. Et une convention oblige en fait le chef d'orchestre à serrer la main du premier violon, même si ces deux personnes se détestent. Vous confirmez le... Oui, ça c'est vrai, c'est pas mal, c'est bien trouvé. Hein. C'est gagné. Ah, merci. Pas mal. Donc vous voyez, j'ai pas tout compris en russe, mais vous avez gagné. Voilà. Qu'est-ce que vous avez gagné, Jean-Luc? Ben, ma foi, je pense que vous n'allez pas être mécontent du voyage. Parce que vous venez de gagner, on va faire une ligne chacun, Jean-Pierre, une râpe à fromage. Oui, un yo-yo. Une boîte de lait en poudre. Une boîte de préservatifs. 12 sucettes, ce qui n'a strictement rien à voir. Non. Un pot de miel. Pas, ça, c'est pour l'avoir. 50 sacs congélation. Voilà, et un CD Coucou, c'est nous. Voilà, et une brosse à dents. Vous avez également gagné un ordinateur. Vous aimez les ordinateurs? Vous êtes branché? Peu branché, mais bon, j'ai un frère qui s'intéresse à cela. À quoi? Aux ordinateurs. À qui? Votre sœur. Voilà. Votre frère. Oui. Vous avez gagné. Excusez-moi. Vous avez gagné un ordinateur familial IBM PS1, simple d'utilisation et équipé de logiciels préinstallés. Mmh. Vous le voyez à l'image, le voilà. Donc ça, vous venez de gagner ça. Votre frangin va être content. Vous venez également de gagner pour votre frangin, visiblement, un abonnement à vie
au mensuel informatique d'informatique réponse micro. Très bien. Donc là, c'est, vous êtes content ? Très, très content. Surtout pour votre frère. Oui. Bon, donc votre frère, s'il nous regarde, peut être très content. Voilà. Frère de Jean-Luc, bonjour. Et alors, maintenant que le frangin s'est casé, il y a vous. Et voilà. vous allez partir pour 9 jours avec une personne de votre choix en Martinique, à Fort-de-France, hôtel 3 étoiles, organisé par TMI. Ouais, très bien. Très, très content. Je voudrais simplement dire que le gagnant Minitel, je ne sais pas si nous l'avons, on ne l'a pas. Eh bien, tant pis pour vous, gagnant Minitel, parce qu'il y avait la possibilité de gagner la même chose. Ça patoche ? Oui, c'est bien. Hein ? Pas mal. Patrice, rapidement, il nous reste 30 secondes. Alors, pour une peau qui tombe, un visage qui se défait. Une peau qui tombe. Une peau qui tombe. Bah, bon, vite, 30 secondes. Ça serait moche. Et heureusement, il y a ça. Regardez. Voilà. Vous avez plein d'aimants partout. Ah oui, oui. Qui sont, on les voit, les aimants ? Oui, oui, on les voit bien. Oui. On voit bien que vous êtes cintré, surtout. C'est spécial hold-up, là. Hein. 15 aimants de 2600 gausses qui sont dedans. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. 15 aimants de 2600 gausses qui sont placés judicieusement au point spécifique du visage. Et on en reparle demain. Et on en reparle demain. Et on en reparle demain. Merci, Patrick. D'accord. Je rappelle que Jean-Pierre Madère vient d'écrire un album qui s'appelle Jaer. Le voilà. Demain, Isabelle Pâtissier, la grimpeuse. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir. Merci à vous, bonne soirée, à demain, bisous les filles, au revoir les gars.